Julie Andrieux, animatrice de l'émission culinaire Les Carnets de Julie, s'est retrouvée dans une situation très embarrassante avec ses trois enfants. Avec sa famille, elle a déposé plainte et le suspect a été interpellé. La suite après la publicité. Julie Andrieux, connue pour être la présentatrice de l'émission culinaire Les Carnets de Julie, pensait passer un instant paisible avec ses enfants, ce mercredi soir 13 décembre. Mais alors qu'elle était attablée au sein du restaurant Indiana Café du centre commercial Parly avec ses enfants, elle a brusquement été interrompue dans ce moment familial par l'irruption choquante d'un homme perturbé, comme le rapportent nos confrères du Parisien qui ont révélé cette information. Cet homme, âgé de 60 ans, s'est exhibé devant la présentatrice. Il a ensuite tenté de quitter les lieux, mais le patron de l'établissement a aussitôt prévenu la police. Une patrouille de la brigade anticriminalité est aussitôt dépêchée sur place. Quand les policiers arrivent, ils constatent que l'homme a été interpellé par le personnel. Détaille Le Quotidien, qui précise que son identité n'est pas connue. Cet homme a ensuite été conduit au commissariat de Versailles où il a été placé en garde à vue. Choquée par cet événement, l'animatrice et ses proches ont annoncé leur intention de déposer une plainte dans les prochaines heures. Le Parisien donne également quelques détails concernant l'état de cet homme au moment des faits. Selon les premières constatations, l'auteur était sous l'emprise de l'alcool. Le médecin devra déterminer si son état psychiatrique est compatible avec la suite des investigations. Le parquet de Versailles dispose de 48 heures pour se prononcer sur la suite à donner à ce dossier. Julie Andrieux, mariée à un médecin de star. Julie Andrieux a présenté d'autres émissions culinaires que Les Carnets de Julie, comme Droit dans le buffet, Fourchette et sac à dos, ou encore Côté cuisine. Elle est également connue pour avoir partagé la vie de Jean-Marie Perrier. Elle est aujourd'hui en couple et mariée depuis le mois d'août 2010 au neurochirurgien Stéphane Delajoux, médecin des stars. Ensemble, ils ont deux enfants. Un garçon nommé Adrien, né en octobre 2012, et une petite fille nommée Gaïa, née en 2015. La suite après la publicité. La suite après la publicité.